Je suis Xavier-Marie Bonneau, j'ai écrit une quinzaine de romans. Je suis aussi réalisateur de documentaires pour la télévision, parfois pour le cinéma. Mon dernier roman, Berlin Requiem, est le 15e que j'ai écrit. C'est un roman pour moi assez particulier parce qu'il parle d'une histoire assez complexe, l'histoire du Troisième Reich et de ses rapports avec l'art, avec la musique. C'est un roman qui pose une question assez importante pour moi et pour beaucoup de gens. L'art est-il au-dessus de la morale? L'art peut-il se passer de la politique? Berlin Requiem, c'est un titre qui associe la ville de Berlin, évidemment, avec une forme de musique, le Requiem, qu'on joue pour les enterrements ou pour les commémorations. C'est un livre sur la fin d'une ville. C'est la fin du Berlin des années 10, des années 20, qui a été la capitale. Non seulement de l'Allemagne, mais l'une des capitales culturelles de l'Europe. Et dans Requiem, parce que la plupart des artistes qui ont fait la gloire du Berlin des années 10, des années 20, je pense à Kurt Weill et bien d'autres, ne sont plus là après 1933. Certains vont rester et vont se damner, d'autres vont essayer de résister. Mais en tout cas, en 1945, le Berlin qui a existé avant Hitler n'existera plus jamais. Contrairement à ce qu'on peut penser, les nazis attachaient beaucoup d'importance à la culture, ils attachaient beaucoup d'importance à la musique. À cette époque-là, le disque est encore un objet assez cher, assez mal répandu, mais la radio existait là, et par la radio, on fait passer beaucoup de propagande. C'est la télévision d'aujourd'hui, c'est le BFM TV d'aujourd'hui, c'est Radio Berlin à l'époque. Et par cette radio passent évidemment des concerts. Et il y a un chef d'orchestre à ce moment-là qui est peut-être le plus célèbre de tous. Ce chef d'orchestre, c'est William Furtwängler. Il a pour particularité, lui, de ne pas être nazi, de ne pas supporter le nazisme. Mais il est tellement sollicité par le régime parce que tous les Allemands le connaissent, et tous les Allemandes le connaissent, qu'il va finalement essayer de pactiser un peu avec le diable pour rester, parce que pour lui rester, c'est être résistant, c'est résister à la fin de la culture que symbolisait le régime nazi. Il va toujours se poser cette question, si j'arrête de faire la musique, si je quitte mon pays, qui va faire de la musique et qui va résister à Goebbels? Ben, il était pratiquement le seul.